Bonjour tous les chéris. Tu vas bien? Tu t'es bien réveillé? T'as pas bu trop de champagne? Parce qu'alors vous êtes très très nombreux à nous avoir montré que vous avez regardé la vidéo du premier épisode jusqu'à la fin. Bravo. Bravo à vous. Parce que franchement ça c'était super sympa. Vos commentaires, vos réactions, j'ai adoré vraiment. Ça m'a fait très 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 plaisir. Je suis toute seule ou presque. Tiens, oh, bah, ça y est, Cassie s'en va. Elle était là, elle est repartie. Tout simplement bah, parce qu'il faut toujours de l'imprévu. Eh oui. Alors, ce qu'on t'a dit hier, bah, c'est toujours d'actualité. Parce qu'on a toujours envie, parce que nous sommes toujours attendus mardi bah, sur le terrain. On pensait partir ce matin. Pas aux aurores, hein, pas aux aurores. Hein. Je dis ce matin, mais pour nous, ce matin, c'est plutôt midi, 1 h. Enfin bon, voilà. Et puis, il faut, bah, comme d'habitude, hein, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, on a le truc qui vient contrarier notre agenda. C'est pas grave ni rien, mais bon, c'est toujours des contretemps. On s'habitue à force, hein, on commence à s'habituer. Bon, en tout cas, je laisse Chrissa te raconter le nouveau contretemps de notre vie, bien évidemment. Et voilà Chrissa. Oui, c'est moi. Donc, comme je t'ai dit, c'est Chrissa qui va te raconter le nouveau contretemps. Voilà. On a passé une nuit assez agitée. Non, pas ensemble, hein. Pas Non, ensemble. non, non, toujours pas. Non, non. Toujours pas. Non. J'ai le soleil qui me fait un clin d'œil là. C'est pour t'illuminer. Vous m'allumez? Il faut être pleine lumière. Moi, je suis dans l'ombre là, voilà. Bon, ben, c'est toujours et encore mes dents. Non, c'est pas toujours et encore le turbo de Foxy. Là, c'est toujours et encore mes dents. Pour la simple raison que le laboratoire dentaire n'a pas fait son boulot. Donc, c'est ni ma faute, ni la faute de la dentiste. Elle a appelé Maria hier parce que c'est notre contact commun. Pour lui dire qu'elle est obligée d'annuler le rendez-vous d'aujourd'hui qui était à 11 h 30 parce qu'elle a contacté le laboratoire dentaire, donc le prothésiste, voilà, c'est ça le bon mot Ben oui. normalement, prothésiste, et il a dit il n'arrive pas à terminer correctement dans le temps pour aujourd'hui, donc ça s'est repoussé à lundi. Donc du coup, j'ai rendez-vous lundi à 10 h 30. Voilà. Ou 11 h 30, Non, non, 10 h 30. 10 h 30, lundi à 10 h, oui, lundi à 10 h 30, Oui. et puis là, ça sera vraiment le dernier rendez-vous, Voilà. et terminé, et après, on peut Normalement, partir, voilà. normalement. Oh, Donc le changement de programme, parce que c'est juste repoussé un on peu, a tellement de contretemps dans la vie, c'est ouais, normal, hein, comme tout à alors, chacun. Donc du coup, deux jours plus tard, on a décidé de oui, bouger quand même. oui. Maria nous avait parlé d'un lac qui est juste à côté. Je ne vais pas te dire le nom, je t'écrirai le nom, je vais te faire voir. C'est encore un nom à coucher Non, non, dehors, mais c'est hein? un nom à rallonge, je vais pas te le dire. Non, 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 Voilà. mais c'est bon, Ouais, c'est voilà. bon. Voilà. Donc on va y aller pour le week-end. On a prévu de revenir dimanche soir. Comme ça, la Miss, elle sera Ouais. sur place pour lundi matin. Oui. Donc pour l'instant, ben on va remballer un peu nos affaires et puis on va partir tranquillement, faire Ouais. des courses et aller jusqu'au lac. Allez Et on te jusqu'au montre tout lac ça. et on va vous expliquer la suite. Tu veux dire quelque chose d'autre? Ah oui, complètement. Je change complètement de sujet. Mais alors vraiment, ça n'a strictement absolument rien à voir. C'est pas grave. Ils ont l'habitude avec Ils ont l'habitude avec nous. Vous vous souvenez des pochettes surprises qu'on a fait à Torrevieja? Alors il nous reste deux. Si vous en voulez, dépêchez-vous. Il nous reste deux pochettes surprises. C'est vrai que c'est Voilà. tombé pile poil. Avec le Covid, Oui, avec le voilà, c'est tombé confinement, juste avant c'est très mal tombé. le gros du confinement. Et c'est vrai qu'on Très a mal tous tombé, été chamboulés, donc c'est pour ça. Donc il reste deux pochettes surprises. Donc si vous les voulez, vous nous voilà. dites. Voilà. Puisque là, ça sera plus facile.
d'avoir un bureau de poste, etc. Ouais, absolument. Donc, si vous voulez, vous dites vite fait. Voilà. Vous écrivez spécifiquement à Krissa. À l'adresse, hein. À l'adresse Ambre et Krissa, la boutique. Parce que c'est uniquement par cette adresse que je gère les commandes, bon. Pas par une autre adresse. Je vais essayer de la remettre dans le descriptif. Je vous la mets en voilà. Bas dans le descriptif. Si je n'oublie pas. Si oui. J'oublie, vous me le rappelez dans les commentaires. Voilà. Voilà. Et puis, il y a autre chose. Et là, on revient sur notre vidéo d'hier. Ouais, eh oui, ouais. C'est déjà que hier. Hein. Oui, c'était que hier. J'ai lu tous vos commentaires. Il y en a beaucoup. Je vous remercie. Et vos propositions de venir nous aider, ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, je suis... J'en ai pas parlé pour pas pleurer. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci de fond du cœur. Ils vont avoir des larmes. Ils vont pleurer, nous, eux aussi. Mais c'est pas c'est grave, dire... comme ça, on pleure tous ensemble un bon coup et puis c'est bon. On s'attendait pas... Non. On s'attendait pas à cette réaction de votre non. part. Non. Et c'est vrai que quand on a vu le nombre que vous êtes à dire que vous allez venir nous aider, etc. et tout, ça nous a... Et si on devrait boire tout le champagne que vous nous envoyez, eh bien, virée, on n'est pas sortis de l'auberge. Bah, les deux mémés qui vont arrêter de pleurer. Merci. Merci, merci, merci. Allez, la suite tout à l'heure. Voilà. Allez, en bas à droite, c'est marqué à suivre. Trois petits points. Ciao, ciao. Ça y est, nous sommes prêtes au départ. J'ai fait la vidange, j'ai repris un peu d'eau. D'habitude, en temps normal, on va dire, je prends la route maintenant. Mais là, non, non. J'ai dit, et je maintiens, je ne lâche pas Krissa. Donc, elle aussi est en train de faire sa vidange, elle va reprendre de l'eau. J'attends qu'elle décolle. Parce que, non, non, j'ai pas envie qu'elle reste en arrière, qu'il lui arrive encore un truc. Hein. Ça suffit. Bon, finalement, on va pas aller au bord du lac comme on avait dit au début. Parce que, bon, les endroits, c'était un peu... On n'arrivait pas trop, finalement, à être au bord du lac. Donc, non, on va aller en pleine nature, tout simplement pour le week-end, voir un petit peu un autre paysage. Voilà, et on prendra la route dimanche pour revenir ici, pour passer la nuit ici, comme on a dit, et lundi matin, dentiste, normalement, j'espère, pour Krissa. Ça y est, là, on prend la route bah, pour se rendre où on a dit, je me souviens même plus du nom. En tout cas, c'est près du village de Louquet. Je t'embarque simplement avec moi pour le plaisir du paysage, le plaisir d'une route assez courte. Voilà, au moins tu es à mes côtés en Espagne, à la chaleur, les oliviers, par milliers, des oliviers. Voilà, j'espère que tu es bien à mes côtés. Ça y est, j'arrive au nouvel endroit, bien ombragé, ça fait plaisir. C'est très beau, des pins, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des pins. Krissa n'est pas loin derrière moi, non, 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 je ne la quitte pas du tout, du tout. Elle arrive tout de suite. Voilà, je n'ai pas perdu Foxy et son équipe, bien évidemment. Je sais pas si tu entends le bruit des grillons. C'est incroyable. On n'entend que ça, c'est super. Bon, voilà, du coup, bon, un petit peu déçu. On s'est pas mis très loin de Doña Mencia. On va passer donc le week-end ici jusqu'à dimanche. Dimanche soir. Dimanche soir, encore une fois, je te le dis, on retourne à Doña Mencia. Pour que Krissa puisse normalement aller à son rendez-vous de lundi. Et on espère pouvoir partir lundi. Donc moi, je me suis mise là devant, à l'ombre des pins et à la musique des grillons. Ça change d'endroit. Allez, cette fois-ci, ciao, ciao à vous tous. Ah, mon petit Domino, tu viens dire au revoir ? Domino, comme d'habitude, découvre le lieu.
T'as raison. Marque ton territoire.